Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Neuda pète un câble sur Snap après avoir reçu beaucoup de critiques suite à cette photo où elle fait un doigt. Je vous laisse avec sa story. We need to talk, ok? Non. Okay. Il y a quelque chose qui mon téléphone il est bizarre là. Bon, c'est pas grave. Oui, bonjour, je t'appelle. Il y a quelque chose qui mérite vraiment, c'est que vous voyez ce que je vous montre. Vous ne me connaissez pas. Je ne montre pas mes enfants exprès parce que vous ne pouvez pas dire je sais comment Neuda elle est avec ses enfants. Je sais comment Neuda elle éduque ses enfants. Vous ne pouvez pas savoir. Donc voilà. Quand je fais une photo en faisant des doigts, pourquoi il y en a, ils viennent encore dire pour une mère. Donc je sais qu'il y a des mamans qui depuis qu'elles sont mamans, elles ne font plus l'amour avec leur mec, d'accord, avec leur mari. Moi, je fais encore l'amour fort. Je fais encore des doigts fort. Je mets encore des strings ficelles fort. Et pourtant, je suis une maman. Donc, stop en fait. De toujours me dire, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de faire des doigts d'honneur alors que tu es une maman. C'est pas parce que je suis. Je vous jure, hein, je me prends pour personne et j'espère que vous le savez, je suis dégueu. C'est-à-dire que vraiment, je suis dégueu. Mais attention, la plupart des gens qui me critiquent derrière leur téléphone. Si seulement je connais, je savais un peu votre vie, etc., je vous jure, à mon avis, je vous ferais pleurer tellement que moi aussi, je pourrais vous juger fort. Je ne le fais pas. Arrêtez de le faire, en fait. J'ai fait une photo en faisant des doigts. Les meufs, elles sont obligées d'aller dire « Oui, mais t'es une maman, ça craint, etc. » Laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre, en fait. C'est un truc de malade. Est-ce qu'elles vont aller sous la photo de Kim Kardashian qui fait des doigts d'honneur, de Cardi B, de Beyoncé aussi qui fait des doigts d'honneur? Est-ce qu'elles vont aller critiquer ces femmes? Là, non, pourquoi moi on vient me critiquer? Laissez-moi tranquille. Et au pire, je ne suis pas parfaite. Je vous le dis moi-même, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas le bon exemple à suivre. Il y a plein de trucs sur lesquels ça ne me dérange pas d'être un exemple. Je suis une femme, je m'assume pleinement. Je vous pousse pas, je sais pas moi, je vous pousse à vous accepter comme vous êtes et pas aller vers la chirurgie esthétique. J'ai deux enfants, je suis célibataire et je m'en sors. Je suis indépendante financièrement. Mais parce que je vais aller faire des doigts d'honneur sur une photo, ça remet tout en question, tout ce que je suis, toute ma vie, mes enfants, mon rôle de maman et tout. Mais si seulement vous saviez comment j'éduque mes enfants, si seulement vous saviez tout ce que mes enfants ils ont la chance d'avoir, tout ce qu'ils ont la chance de faire. Mais bon, bref. Mais genre, les doigts d'honneur, ça va. Et puis le pire dans tout ça, c'est que je vais continuer d'en faire en fait. Parce qu'il n'y a que pour vous que les doigts d'honneur, oulala, c'est sur une photo, c'est ça définit vraiment qui elle est cette personne. Ensuite, oui, des fois, je parle vulgairement quand je suis énervée parce que je laisse mes émotions prendre le dessus. Mais sinon, vous inquiétez pas, je sais parler très calmement et je ne suis pas comme ça tous les jours, hein, H24.